Bonjour, Stéphane Urbuel pour Guitare Extrême. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des modes encore, parce qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Mais là, on va vraiment faire sans théorie, juste de manière plus guitaristique, on va dire. Guitaristique dans le sens de la symétrie des schémas, voilà. Et de manière non théorique. On va s'efforcer aujourd'hui d'essayer de les entendre par rapport à une tonique donnée. Et vraiment se concentrer sur l'oreille et pas sur la théorie. Voilà, c'est le but de cette vidéo, parce qu'il y a tellement de vidéos sur les modes, des plus simples aux plus complexes. Pour ceux qui veulent voir les plus complexes, je vous invite à aller voir la vidéo pianistique de Étienne Guéraud, qui est très 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 fournie sur le sujet. Mais là, vraiment, on va faire de manière la plus simple qui soit pour que vous puissiez les entendre. Alors c'est toujours pareil, je vais vous donner un schéma qu'on va déplacer, en fait, sur le manche, qu'on va jouer avec un bourdon à la basse. Un bourdon, c'est une note qui reste, en fait, parce que un mode n'a de sens que par rapport à une tonique, en fait. Si vous jouez un mode comme ça en l'air, on ne peut pas savoir quel mode c'est à partir du moment où on n'a pas une note référente, voilà, à la base. Donc là, on va prendre le Mi, c'est pour ça que j'ai préféré prendre avec la position Mi, parce qu'on peut avoir le Mi à la basse ici, et donc on peut jouer ces positions en ayant le Mi à la basse. Bon, moi j'ai rentré dans un petit looper ici juste, ouais. Mais on peut jouer tout simplement et puis faire ses notes. Donc on va prendre la position comme indiqué. De Mi, ça donne Mi sur Mi, ça donne le mode ionien. On va déplacer cette position. On va la déplacer de un ton, de deux cases. Donc théoriquement, ça donnerait la gamme majeure de Ré sur une base de Mi. Alors je sais que les gens n'aiment pas fonctionner comme ça. Moi, c'est un repère qui marche avec moi, en fait, quoi. Donc, donc c'est la même position décalée d'un ton. Qu'est-ce qui se passe là, en fait, par rapport au Mi? Et la tonique, elle est ici par rapport à la gamme que je monte. Et forcément, comme la gamme majeure, c'est ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, c'est pas des intervalles qui sont réguliers. Ici, j'ai la tonique, toutes les notes qu'il y a autour, elles ont une fonction. Donc, on a dit qu'on parlait pas trop de théorie, mais juste pour vous expliquer simplement. Là, en fait, quand je fais ça, quand je joue sur cette basse, quand je joue cette note, je sous-entends un accord majeur 7, d'accord? Mi majeur 7. 9, 11, 13. Je sous-entends toutes les notes qu'il y a dans cet accord. Mais quand on décale d'un ton ici, qu'on part de cette note-là, toujours la même, hein, demi. Même si c'est la même position, comme la tonique elle est passée d'ici à ici, forcément, en fait, puisqu'on a décalé la position, les notes qu'il y a autour, elles n'ont plus la même fonction. Du coup, par rapport à cette tonique-là, donc, et le Mi, ça devient une tierce mineure, donc bref, pas trop de théorie, on sous-entend là, quand on fait ça, un Mi mineur, 7. Continuer, on descend encore d'un ton. Ça, alors la deuxième position, c'était le mode dorien, voilà, tout simplement. Troisième position, ça va être le mode phrygien, qui a une seconde mineure, pas trop de théorie, mais qui frotte un peu, mais qu'on peut faire sonner, qui est appelé aussi le mode spanish un peu. Très typé celui-là, j'adore. On descend maintenant d'un demi-ton. Donc on descend comme la structure de la gamme majeure. Ton, ton, demi-ton, ton.
ton demi-ton, exactement. Donc ici, toujours la même position, on la joue donc à la deuxième case ici. Ça c'est le fameux mode lydien, hein, dédicace aux copains. C'est la 11 dièse, c'est très utilisé dans les films. Mode lydien, donc on descend encore d'un ton. Alors ce qu'on va faire, c'est que ici, comme on n'a plus de place, on va prendre l'octave, donc ici à la 12e case. Là on sous-entend un accord de mi 7, c'est un mode mixolydien. Ok, on va descendre encore d'un ton. Le mode éolien. On va descendre encore d'un ton. Voyez, on arrive au bout, on est un demi-ton au-dessus de la tonique là. Ça c'est le mode le plus tendu parce qu'il sous-entend un accord de mineur 7 quinte bémol. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en jouant le mi, on peut jouer toutes ces positions. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Moins l'accord est précis, c'est-à-dire que moins on donne d'indications harmoniques, là par exemple ce serait un bassiste qui jouerait ça, au plus on peut mettre de couleurs, et en plus on peut les mélanger. Par exemple, il y a beaucoup d'explications qui séparent les modes majeurs et les modes mineurs. Moi, j'aime bien les mélanger, en fait, surtout quand on n'a qu'une tonique comme ça, quoi. Majeur. Mineur. Le but, je vais l'arrêter. Vous voyez, on peut faire des belles petites couleurs un peu à la Eric Johnson, pour ceux qui connaissent. En fait, on a toute une palette qui s'offre à nous. Il suffit juste d'aller piocher dedans. Donc, même sans avoir de looper, donc vous gardez le mi comme ça et vous essayez. Chaque couleur différente. En vous servant même pas de la théorie, de vos oreilles. Comment ça sonne, qu'est-ce que ça vous inspire, etc., etc. Après, attention, il est très important après d'aller... Enfin, important. Essayez d'aller vous renseigner le pourquoi du comment, etc., etc. Mais là, c'est vraiment une approche organique.